Bon, c'est pas la peine de toute façon. Voilà. On s'enregistre là. Rebonjour. Donc, on continue donc notre petite aventure dans les mines complètement paumées de Narch, si je ne m'abuse. Comme on l'avait dit, oui, c'est bien ça. Comme on l'avait dit à l'épisode précédent, on tourne en fait directement les épisodes à la suite. Ah, donc là, on va pouvoir voir. Voilà. Si... Donc cette fois, on vous avait fait un petit au revoir. On vous avait fait un petit au revoir, bonjour. Pour marquer la fin et le début des vidéos. Quand on retournera, enfin dans le futur, quand on tournera d'autres vidéos, plusieurs vidéos à la suite, on évitera de. Bon, soyez pas offusqués, hein, mais on évitera de dire tout le temps bonjour, au revoir, sinon on va plus jamais se retrouver. Non, en fait, c'est parce qu'on vous aime pas, on refuse de vous dire bonjour. Sud, leur dis pas. C'est vrai, il faut le cacher. Voilà. Pendant ce temps, je monte de niveau. Classe. On va continuer. Il y a un coffre. Bon, maintenant, je monte les escaliers. Et merde, fallait pas monter les escaliers. Les escaliers, c'est le mal. C'est des rats-garous. Et des rats-garous. C'est assez. Ouais, je vais pas faire de commentaires. Bah, techniquement, c'est des hommes qui se transforment en rats. Enfin bon, ouais. Ils sont pas les très humains. Au passage, ouais, c'est un peu bizarre. C'est quoi le machin rouge en haut de leur. En haut de leur tête hein. Ça s'appelle un creux d'oreille. Ah, c'est des oreilles! Oui, ce sont des oreilles. Ah, d'accord! Des moi, oreilles je, de rat, je comprenais. De grosses souris. Ouais, je comprenais pas. Je me disais, moitié édenté. Je me disais, c'est un espèce de crâne rouge. Ils ont des crânes sur la tête. D'accord, c'est une tradition tribale. Ah, une queue de phénix. C'est un aspect marrant quand même des vieux jeux. Des vieux jeux avec ce design là, c'est que des fois, quand on a du mal à distinguer les détails, et ben on peut s'imaginer des trucs, et le jour où on nous fait découvrir ce que c'est en réalité, on est choqué comme pas possible. Ah bah ça c'est clair. Bon, là donc, ce sont des nuages. Allez, je vais le défoncer. Je vais le défoncer à l'épée. Attends, j'ai une épée là. Je pensais que... Ou alors t'attaques à main nue. Faut regarder dans l'inventaire plus tard. Ouais, on regardera, mais c'est... Enfin c'est... Non, il y a une épée. Ah ouais. J'ai bien décerné une épée. Ah bah c'est bien. Je suis une escrimeuse. Jeanne d'Arc avec des cheveux verts. C'est ça. Qui n'entend pas des voix. Et qui brûle les autres au lieu d'être brûlé. Bah ouais. En même temps, c'est la vengeance. C'est Jeanne d'Arc 2.0. C'est la réincarnation de Jeanne d'Arc. Voilà. La vengeance. Bon, donc maintenant, attaquer. On va continuer d'attaquer de toute façon parce que. Comme ça, j'économise mes points de magie. Quoique, je sais même pas s'il y a des points de magie dans ce truc. Si, il y a des points de magie. Dans tous les Final Fantasy, on a. Très bien. Par contre, ils sont pas. J'ai pas l'impression qu'ils soient montrés sur l'écran. Non, enfin là je les vois pas en tout cas. Ça fait bizarre. Ah, ou alors, faut regarder au prochain combat. Ouais. Bon, si là ils sont affichés. Équipement, voilà. On doit être dans compétences. Ah, pour se soigner. Oui. Est-ce que bon. Biggs et Wedge, c'est ça. Les deux autres connards d'avant, là, je me foutais de leur vie, mais bon. Ouais, là, on voit bien, ouais, c'est MP. MP, j'en ai plus que 5, donc je vais les économiser. Mais oui, là, je pense, je vais éviter de mourir. Et d'ailleurs, je pense, on montrera les morts. Parce que, bah, comme ça, vous verrez à quel point on est nul. Bah oui, il ne faut pas forcément tout gâcher. Ouais. Bon, donc là, on se fait retrouver par les. Au pire, vous pouvez quand même demander si jamais il y a des passages vraiment longs. Si jamais il y a des passages vraiment longs où vous ne voulez pas assister, bah limite on passera en accéléré certains combats. Voilà, en accéléré, ou demandez dans les commentaires. Ouais, dites-le si jamais vous avez des réclames à faire par rapport à ça. N'hésitez pas, et surtout n'hésitez pas non plus à. On essaiera de faire en conséquence. Oh, ouais. Un flashback. Kefka. Waouh. Kefka. Comme l'auteur. Non, c'est Kafka ça. Oui, mais ça ressemble. Ouais, mais c'est pas ça. Là, c'est un personnage bizarre qui dit ho 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 ho. C'est le Père Noël. Ouais. Le Père Noël. Non. Quelle allure. Non, pardon, allez, non, c'est dommage. Attends. Ah, donc c'est Kefka qui nous a contrôlé, c'est ça? Ouais. Kefka qui a un méchant intéressant quand même. Et putain, mais moi je savais pas que c'était le méchant. Ah. Bah, en même temps, c'est celui qui dit qu'il possède. Bah, il a un rire. On voit bien qu'il est en train de rire, c'est vrai, il a un rire sardonique. Voilà, ça en fait un méchant. Et en plus de ça, il contrôle. Attends, on combat dans nos souvenirs là. Wow. On ne contrôle pas, donc c'est les phases de test pour montrer que.
qui défonce tout, comment qui rockstro. Oh 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 oh. En fait, Kefka, c'est le Père Noël maléfique. Ah d'accord, c'est sous ses ordres qu'on a défoncé plein de monde. Bah oui. Bah c'est que des petits sbires, hein. Ouais, c'est vrai. C'est pourquoi. C'est des Bigs et Wedge. Voilà, on les engage, on les fait mourir pour la patrie, et puis on les oublie, c'est tout. Bah oui. De toute façon, qui se soucie d'eux? Ce sont des vieilles chaussettes. Voilà. Qu'on peut balancer. Ici, nous avons Gestal. Gestal, wow. Gestal. Soldat de l'Empire, une nouvelle mère, nouvelle approche. On voit bien qu'il a une espèce de grosse moustache, un peu genre Hell's Angel. C'est donc un roi. Soit un roi, soit un ministre. Soit un ministre. C'est. Pour le légendaire de la magie réapparu, nous sommes le peuple élu. Nous sommes élus. Nous sommes des nazis. Voilà, allusion au nazisme, du coup, ce n'est pas un gentil. En même temps, nous on dit ça parce qu'on fait le rapprochement, parce qu'on a eu le sujet au bac ouais. Il y a 2 jours. Hop. Ah ouais, donc en gros, ils sont passés en mode trop lolol, on va défoncer tout le monde et on va devenir les maîtres du monde. Rien ne pourra nous arrêter. Ah, donc quoi, c'est l'empereur. Ces derniers, ils sont même pas fichus d'être coordonnés. Donc quoi, Gestal, en fait, c'est l'empereur. Attends, c'était Gestal? Non, Gestal, il est à côté. Bah en tout cas c'est lui qui parlait au début. Ouais. Donc là c'était un flashback. Nous avons appris que nous étions contrôlés par l'Empire qui veut dominer le monde. Ou le vilain. Pour changer. Ouais mais c'est toujours... Pourquoi est-ce que l'Empire est toujours maléfique d'ailleurs? De temps en temps il pourrait faire un Empire gentil qui essaye de sauver le monde. Ah non, un Empire gentil ça s'appelle un royaume dans les jeux vidéo. Mais non mais justement il devrait faire un Empire. Nouveau personnage. Le monde à la recherche de trésors légendaires. Oh, ça a l'air épique ça. Voici Locke. Locke. Comme vous voulez. Moi, je putain. Locke. Attends, on va jouer un mec qui s'appelle Locke. Locke. Et... Ouais, mais c'est écrit plus classe. Ouais, mais quand même, c'est une Locke. Ou alors tu dis Locke, c'est bizarre. Bon, on va dire Locke parce que Locke ça fait viser. Enfin, on s'en fout. Ouais, attends, puis on avait Terra en même temps. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, donc Locke. Voyons voir. Deuxième personnage. Chasseur de trésors. Oui, c'est un voleur quand même. C'est classe. C'est pas du tout la même chose. Je suis un gentil. Alors, c'est comme qu'est-ce si que on comparait Arsène Lupin avec comment il s'appelle l'autre là. J'ai rencontré Al le Capone. Jeune... Hein. C'est vrai que c'est une différence. Ouais, enfin. La fille au pouvoir magique. Waouh. Là, normalement. Calme-toi. Là, normalement, tu sais, t'as les voix préenregistrées qui font « Waouh !» Comme sur la Wii, quand on marque Wing. Ah non, c'est au golf, pardon. Ouais, j'en sais rien. Narf possède les ressources nécessaires pour combattre l'Empire, mais la ville est farouchement indépendante et ne veut pas se joindre à la Résistance. En fait, c'est un remake de Star Wars ou quoi? T'as l'Empire, t'as la Résistance... Personne ne... Hop, la jeune fille était sous contrôle de l'Empire. Ouais. En même temps, je les comprends, je veux dire... C'est difficile à croire que quelqu'un qui tue 50 hommes, je crois, je sais plus quoi... 300 ou... Enfin, elle en a tué plein. Beaucoup, voilà. Elle a cassiné beaucoup d'hommes, et on lui dit, non, finalement, elle est gentille. Ouais, elle était contrôlée. Oui, elle a tué vos fils, vos femmes et vos enfants. Mais peu importe, elle est gentille maintenant. Attends, on va l'amener à Figaro. Figaro. Pardon. Vous n'avez rien entendu. Enfin bon, t'as fait pire dans l'épisode précédent. Non. Moi, ma voix était magnifique. Wow. Ah mais c'est Indiana Jones, ce mec en fait. Il saute, il s'envole. Il chasse ses trésors. Mon dieu, qu'il est classe. Une sale tête à l'image par contre, mais qu'il est classe. Alors... je suis un vilain garde. Oula. J'ai ma vilaine garnison. Il y a un peu plus de monde. Ouais, j'espère qu'elle va se réveiller. La Terra là. Cupo. Ah, ça sent le mug. C'est des mugs. Les mugs. Léa mascotte. Ouais. Allez, aidez-nous. Soyez nos amis, grosse peluche. Allez, grosse peluche, viens avec moi. Nous protégerons Terra. ouais, je voudrais bien qu'on m'explique un peu. Voilà, nous trois groupes différents, passons d'un groupe à l'autre et puis ils sont select. Éliminer le chef de la garde avant que ses hommes n'atteignent Terra.
Ok. D'accord. Bon, bah, okay. On a buté le... Alors, le chef de la garde. C'est lequel le chef de la garde, exactement? Celui qui a une grosse tête. Non. Certes. Ouais, c'est bien possible. Là, on a deux soldats, trois soldats. Bon, bah, je vais tuer celui-là, non? Comment je les évite? Je comprends pas du tout ce qu'il faut faire. Ah, d'accord, donc là on combat. On va voir ce que ça donne. Oh, contre un mammouth et un loup gris. Ouais, un mégalodon. On s'en fout, c'est un mammouth. C'est pas un autre. On va l'attaquer. On va les tuer. À mort le mammouth. Je veux sa chair. Je veux l'ivoire de ses défenses. Comme ça je vais le revendre. Je vais devenir riche. On partagera les feuilles, hein. 50-50. Ou 75-25, pour moi bien sûr. Bah écoute, d'accord, on va partager en deux parties en fait. La première, elle me revient parce que je joue. Et la seconde me revient parce que si tu refuses, je te défonce ta gueule. Ça te va? Tu refais une allusion au bac là. Ouais, mais je m'en fous. En même temps, c'est vrai que c'est pas faux. Et comme je fais une tête de plus que toi, je peux effectivement te défoncer la gueule. Ouais, mais je cours plus vite d'abord. Ouais, mais je m'en fous, de toute façon, tu vas pas courir avec une corne de mammouth sur le dos. Je rentrerai très vite, voilà. Je peux sauter depuis la fenêtre, parce que je n'ai plus rien à perdre. Bah, si tu veux, enfin, après c'est ton problème, hein, mais bon. J'adore les noms des Mogs. Mogli, Mogpou, Moguche. Bah quoi, c'est très beau. C'est le nom Mogpou que. Mogpou et Moguche. C'est le nom que sa maman lui a donné quand il était petit. Pauvre gosse. Ah merde, tu es mort. Mon Loc est mort. Loc est une Loc. Adieu, Loc. Je l'attendais, celle-là. Bah, en même temps, voilà quoi. Bon, on va essayer de le soigner un peu quand même. On n'a pas de queue de queue de phénix là-dedans. Si, on en a eu une tout à l'heure justement. Magnifique. Comment ça a été soigné? Il y a de la magie pour certains? Je suis pas sûr, ça pas. Non, pas... bah non, justement parce que c'est Terra qui a toute la magie. C'est ce personnage tellement trop épique, tellement qu'elle est trop forte. Wesh. Allez, on va continuer à aller buter le chef de la garde. Taper le chef. Là.